Eh bien, je vous prends au mot. C'est d'accord, mais venez avec moi. Quoi, vous voulez dire ici en retraite tous les deux? Enfin, sous la surveillance de votre bon Dieu, hein, calmé aux ardeurs. Oui, d'ailleurs, on aurait pu aller boire un verre, mais je vous le propose pas, hein. Bah non, parce que ça prêterait à confusion, vous voyez. Ouais. Ouais, et puis en plus, j'avais déjà quelque chose de prévu. Alors. Vous avez un rendez-vous galant? Pourquoi, vous y voyez un inconvénient? Évidemment, commissaire. Alors, prête pour notre petit week-end en amour? D'ailleurs, j'avais un petit cadeau pour vous. Tenez. Mais ça va, ça vous fait pas trop peur, là, de vous retrouver toute seule dans cette cabane au fond des bois? Qu'est-ce qui vous dit que je suis seule, d'abord? Vous voulez boire un café? Non. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Vous avez peur? Pas du tout. Enfin, vous emballez pas non plus, c'est du toc. Quelle histoire dois-je raconter? Nous sommes mariés depuis 4 ans, nous appelons Florence et Pascal Lecomte. Je n'ai pas de chambre séparée à vous proposer, vous devrez partager. Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est notre première grosse affaire avec lui, alors essayez de pas trop le chiffonner quand même. Tiens, chef. Je suppose que ça ne vous dérange pas. Je vous propose ce matin une prière silencieuse pour soutenir ceux d'entre vous qui portent le deuil d'un proche. Ça va? Tenez le coup? J'ai des jours meilleurs. Ah oui, j'imagine. Vous savez que vous pouvez me parler, Pascal, je suis là. Je pense à elle tout le temps, moi aussi. Vous voulez pas reprendre quelques jours pour vous reposer, Pascal? Non, c'est gentil, mais je crois que je préfère encore bosser plutôt que de rester chez moi à broyer du noir. Oui. Bon, je les amène au vite à faire un scanner. Non. Si, c'est plus prudent. Vous avez vraiment envie de savoir ce que j'ai dans la tête, hein, vous, capitaine. J'y vais après le boulot. Oui. Okay. Par contre, maintenant, il faut me lâcher. Oui. Sinon, le principe des ombres chinoises, vous connaissez ou pas? Donc, j'ai repensé à la discussion qu'on a eue. Chose avant qu'il soit trop tard. Je finirai bien par la trouver, la bonne personne. Vous pouvez très bien avoir une vie civile très épanouissante et pourtant décider d'y renoncer de jour en jour. Ah ouais. Et vous pourriez annoncer, vous, à votre vie et tout ce qui va avec? Je ne sais jamais. Ah si. Avec vous, j'y pense. Merci, Florence. Ce baiser entre nous, ça voulait rien dire. Ça dépend ce qui va avec. Avec vous, pour toujours. Wait for me to come home.